Hey, Mama Didine, bienvenue dans Kailan, vraiment apprécié nous. Comment nous les gars, nous en forme? Bon bagay, so, nous sortons exactement à Haïti, nous sommes dans le programme Biden. Comment nous faisons de parler de moi, Biden? Oui? Nous pas tant de parler de vous, même si c'est grâce à nos amis nous, qui étaient jeunes, nous parler de vous, et puis, les bons numéros à nous contacter. Et puis tout bagay marche bien, nous vous remercions pour ça, au bon service. Nous passons aujourd'hui là pour nous remercier pour le bon travail que vous avez. So, vous passez dans l'office là pour remercier pour le bon travail, ça dit là, qui est-ce que vous êtes à Haïti? Port de paix. Oh, tout le monde Port de paix, oui? Ah, oui. Regardez mon yo, Port de paix, bah, bel monde d'andi. Oui. Ok, bon bagay. So, on moun ba au numéro 1, moun, ou pas comme dans qui émission, moun tapte de li? Non, je ne sais pas vraiment qu'on a qui émission. Bon, on sait l'émission qui est de côté, c'est matin de bambam. On sait l'émission qui est de côté. Oui. Ouais, bon, bagay. So, comment est-ce encore? Didine. Didine, bon, bagay. Bienvenue dans le pays, Didine. Merci. So, comment est-ce pays? Ah, bel bagay. Bon, bagay. Bon, bagay. On aime le pays? Oui. Et l'arrivée dans l'office Olivier Pierre, comment est-ce qu'on aime tout? Oui, moi aime. Bon, bagay. Elle doit dépenser son robot, ouais, son monde tout bon. Oui. So, l'elle le bagage mais non c'était c'était et qu'on y a c'est bon bagage. Ah bon bagage. So l'autant de ou bon Biden, comment t'es senti? Bon, j'étais content, oui, mais c'est tout laisse t'arrêter qu'on y a là, il dit que ça ou bon, oui. On dit pourquoi c'est précis, il dit oui. Je dis bon, moi, il faut une preuve pour nous. Je suis tellement content. Je dis si, on va aller, monsieur Olivier. Il dit comme ça, oh, on va aller. Je dis ok, dis merci pour nous. C'est grâce à vous-même, le travail vous fait à bon, qui fait nous la journée. On va. Bon bagay, so nous tous les deux, nous vraiment reconnaissants, nous venons voir Olivier Pierre dans l'office là pour nous capables de dire merci. So félicitations, welcome dans le pays. Merci. Et m'la pour m'accompagner nous dans n'importe quoi dans faire, ok? Merci. All right, bon bagay. Bye. Bye, welcome. Application Lisa Loto. Haïti, sécurité. La police nationale d'Haïti continue à traquer les bandits pendant le week-end. Plusieurs bandits ont été mortellement blessés. La muraille a été démolie. Bon. Là, nous avons la muraille et que monsieur a construit. En parlant de la mort sans jour. Mais il faut que nous disions entre temps. Et pendant que monsieur a fini de construire la muraille, on est la police là pour faire prévention. Mais c'est très malheureux. Yo quitté M. Rivé dans le niveau ça. Ça n'a pas de fait. Même si on a écrasé le commissariat, ça n'a pas de fait. Maintenant, on est là. La police fait fort parler, non niveau, parce qu'il n'y a pas de ticket pour les moyens. Maintenant, on est là. Avec le leadership et Normine Rameau comme directeur général de la police nationale, qui m'a félicité maintenant, qui prend une décision de sagesse par rapport avec Lionel Lazare. Correct. Ok? Que M. renommé, par rapport avec et problème qui était posé, que moun doit de l'homme ça yo qui te fait connaître que Lionel Lazare yo trompé de cible parce que Lionel Lazare signé Lazare te gon Lazare qui était impliqué dans bail passeport et puis yo ba un tripotaille dans direction générale là comme Rameau lui même nominé mon pat ici pat là mais ça moi même condamné là Rameau et parce que le pat il pat gon qu'une donnée d'appréciation et pas les pot bagarre moun di ou pour courir agir. OK, donc rien ça que fait jodi à là. Et Normine Rameau retourner sous décision parce que institution qui là qui placé là pour gérer question à savoir inspection générale, OK, yo mené enquête, yo voit que monsieur a pas de aucun rapport contre lui et monsieur Lazare, Lionel Lazare pas jamais impliqué dans aucun ni de près ni de loin dans l'obéi là. Donc lui et yo prend yo nom yo fait et yo prend décision. Pas dit yo a dit la police alors oui, voilà, la oui, direction oui, générale de la oui, police okay, nationale okay. Et ben prend décision pour et retourner avec Lionel Lazare comme porte-parole adjoint aux côtés de monsieur Michel-Ange Lugène. Alors, pour la question de qui t'est passé dans muraille que monsieur a été construit. Yo crasé muraille là, la police crasé muraille là, c'est vrai. Nèg yo vini avec un bac de le même jour soir. Lou koyezi. Nèg yo fouye gros moment trou. Non, on a parlé là, machine pas ka monter, machine pas ka descendre.
l'homme sans jour tellement de force. Monsieur, regardez, à côté, Muriel a été à cause de rien. Monsieur fouille trou, nous connaissons gros trou. Pas de aucun même moun, même piéton pour passer en bas de dit. Monsieur fouille un gros trou dans la route là. Oui, mais Esaü, il a dit monsieur vole, vole gaguette. Il m'a dit oui, il vole gaguette. Il vole gaguette. Et mon bien qui sauve. Mais de CPA d'où lui-même, mission c'est pour arrêter monsieur. Bon bien. Yo manke pran lanbonson. La police manke pran lanbonson jounan wit nan mwen tenan wi. Monsieur son nèg ki asthmatique. Monsieur son asthmatique, monsieur asthmatique. Et on ti précision lou quoi ki Esaü. Tant que monsieur dit tout à l'heure, c'est you nan mur. Li ali. C'est you nan mur et monsieur monte que la police crase avant hier. Parce que on paquet sur toute route nationale numéro 8 là. D'ailleurs, gon côté yo les kafouti tomblé. Nan bonnet la fréquence cité monsieur gon côté ou les kafouti tombé nan bonnet gon pont nan kafoua parce que m'pas sûr que cyclone qui t'est passé qui t'écrasé ou tout fond pont monsieur soudon paquet fait sous pont bloqué passage net, ça veut dire machine pas qu'à traverser pont mais plein nan par rapport à Jean soudé ba en plein nan, ça veut dire barre pont net ba en plein nan ba yo en pile. Information oui. Il y a un gros chef gang qui quitte la capitale là. Il y a un Kaili Rivière Marcel. Je ne sais pas si monsieur c'était mon gros monde. C'est Kaili Rivière Marcel. C'est 8 jours là après mettre dans tout, monsieur Rivière Marcel. Aïe aïe aïe. Un gros chef gang. Rivière Marcel là, c'est pour nous. C'est un gros monde. Dans un gros monde. Dans la Tibonite. Alors là, je me pose une question après mettre dans tout. À Paul Ménard qui est directeur départemental de la Tibonite. Moi-même, Babo Monti, pour ça, je vais Paul Ménard faire dans le département de l'Ouest. Pour ça, je fait dans le Gandos. Je vais espérer que dans la Tibonite, il est aussi efficace que j'en étais dans l'Ouest également, dans la Gandos et Pémenté dans tout. Et qui danger ça va gagner? Gros chef gang ça. Je gagne 8 jours dehors. Je vais quitter la capitale là parce que je connais que la police a planifié pour arriver sous lui. OK, on va gagner non louko. On va gagner non. Oui, quitter. Nous ça les rivières Marcel, m'a demandé comment on fait quitter. Port-au-Prince. OK. Pour faire tout pas comme ça, passer Saint-Marc et pour arriver jusqu'à Gomon. Facile mon cher. Facile. Comment on fait bien matin et Esaü c'est ça. Facile mon cher. Dans ce là bien Esaü. Rivière Marcel licencié bail sous Pilate. OK. Et dans moment on a parlé là gon gang Pilate. Et rêve gang pirate a arrivé sous Cap-Haïtien. Donc depuis que pirate il va arriver Gomon, il va arriver Limbé. Et chef gang ça le fait un moment, il renforcer base Cocoat sans race dans la Tibonite. Vous avez des problèmes. Donc mes job, mes travail, monsieur facture là. Et dit monsieur qui était capitaine là, monsieur monter là monsieur Rivière Marcel. OK? Et puis qu'on y a un moment, monsieur renforcer Cocoat sans race et puis monsieur va établir tentacule dans pirate dans Limbé jusqu'à ce qu'il arrive Cap-Haïtien. Maintenant, là, il y a un directeur départemental, la police dans le Nord, qui vous travaille avec le directeur départemental, la Tibonite sous question ça. Et ça, c'est une information très sérieuse. Et je souhaitais que la police note l'information ça parce que. Mais donc, vous avez un nom, vous pas un nom à Rounia. Bon, moi, c'est que la police, ça, c'est une information de coup de parle. Mais un gros chef gang. Gros chef gang. Gros chef gang. Donc, monsieur, allez multiplier. Insécurité Gengoman, ou connaît que. N'absolu, le député Fouchéry. Ou connaît à pile moun dans la ville Gomon, tel get enlevé courri, sans que gros chef Gansak pour corriver. Qui pour corriver, très bien. Ah, parce que. Gang, en fait. Gang, gros gang qui gagne. Et là, on a parlé de Gomon, c'est entre la caille, bon, Gomon, la caille, bassin bleu, même bagaille. Oui. Même bagaille. Donc. C'est toujours Gomon, c'est toujours dans Kafou pour entrer pour la plate. Donc ça veut dire que moun yo te gang yo te si tellement vaille Gomon. En pile moun te gete couri quitter Gomon. Si. Non mais kounya là c'est quoi kounya là ba la pourri net des avis ba la pourri. On regarde la police là dans moment là, c'est pas deux fois non milliard m'a fait là. Et pendant week-end là, il y a trois bandits qui tombent. Donc en bas la ville là, les organes même. Donc et nous gagne population mettez avec nous gagne arriver avec nous pour faire bilan pour nous.
OK, nous on contacte on peut parler. Non, on a parlé là, il y a une opération qui a mené en bas et dans centre-ville là. OK, et tout en bas et toute bas petite chose, oui, l'alerte monsieur mettez et monseigneur Guillou. Monsieur Guillou n'a mettez et ça relé et comment il est là péage, poste de péage et puis la police a crasé. OK, la police a crasé poste de péage. Et next ça yo, mon cher Mbappé Bomanti le désir et un monde qui a traversé. Surtout sous ces journalistes, on traverse dans zone ça, faut en pile attention parce que monsieur est déterminé pour tous les journalistes, OK? Donc mission ex a déclaré que eux-mêmes il y a tous les journalistes depuis croisage journalistes. Eh ben, mais ça on parle avec Garimeide. Garimeide. Comment ça est? Bonsoir Louko Désir, bonsoir Galette, bonsoir Pierre-Marie à toutes et dans les Haïtiens. Et nous pas jamais oublier partager tout monde qui branché dans 10 heures dans pays et les internautes monde qui branché dans international. Donc justement Von V, beaucoup de bravo à l'institution policière là, la Monomil, qui en pile monde déjà apprécié que travail lui-même entreprendre dans le pays a été vraiment bon, malgré une baguette, malgré des matériels que nous besoin dans le pays avant de au niveau la fléonée dans la zone Léogane, pour arriver entre Léogane, en pile l'effort et la police a fait pour permettre que Negio pas envahir Léogane. Von V, en pile jeune garçon, à sa pape déjà débattu en temps. Bien sûr, pour une côté renfort, pour capable d'avancer, mais pour ces deux côtés mal calculés, le connaissent, puisque en pile, c'est un bois calé. Il y a eu Léo, et il faut dire que c'est une zone qui a une mauvaise odeur, puisque il y a des nègres qui vont y embarrasser, il y a des nègres qui vraiment pas jouent moyen pour que ils prennent soin, mais ça aucun bal, ils vont y embarrasser, donc c'est vraiment pas facile. Donc, on dit, nous avons toujours dit, au matin des barreaux, vraiment, nest ça, c'est Pinel. À chaque fois, on tue une quantité, il y a une quantité qui vient. Donc, puisque commune grand fou, c'est commune qui lui vient à lui-même, puisque bandit mélange avec un grand fou, donc ça vient permettre que pas y ait un poste de police qui permette qu'il soit capable de chercher un peu partout pour être capable de régresser. Donc, si nous avons une possibilité pour qu'il y ait bloqué ou grand fou, c'est ce que déjà, la police tape dernier contre le dossier. Donc, en pile de fond, Esaïe César, en pile nèg tombé, information que nous connaissons, en pile nèg tombé, et il y a eu le paquet tout week-end. Donc, on dit, la police a fait un pile effort, beaucoup de filets pour la police, en pile bravo pour Ramon Amil qui voulait vraiment parler avec la situation que nous avons dit au niveau national numéro 2 à Esaïe César. Merci en pile, Gary, merci en pile. Allez, permettez-moi de parler avec Gazès. Parce que le président Luis Abinader posait des conditions pour une meilleure amélioration donc une relation Haïti avec la République dominicaine et donc cadre d'une conférence conjointe que le débat ensemble avec monsieur Anthony Blinken le secrétaire d'État américain donc ils font parler avec Galvez pour connaître exactement de quoi il s'agit donc monsieur Abinader posait des conditions OK pour gagner une amélioration dans relation et entre Haïti et la République dominicaine. On allait la parler de ça également tout le coup. Gagné ambassade et alors gagné la Russie qui prend une décision dernièrement là pour construire une ambassade dans la Russie en République dominicaine. Ouais, ça c'est clair. OK, on allait on continue. Et pas oublier monsieur, demain c'est gros rendez-vous. Demain c'est premier débat entre Kamala Harris et Donald Trump. Ouais, gros bagage. Premier débat entre Kamala Harris et Donald Trump. Et débat ça est important en pile pour Donald Trump. Et si Donald Trump perd une babbo menti, donc gampile parole en pile, gampile cause monsieur. OK, on allait. Galvez. Galvez à propos nous. Galvez que là, Galvez comment nous y est? Allez, oui. Allez, n'a connecté. Ah, ou craser micro. Ou c'est tellement gain force. Ah, la paix bon Dieu à vous. Galvez, comment nous y est? Bonjour Valette, bonjour Pérant à tous, bonjour Louko, et bonjour Haïti, bonjour Plaisance Pays, bonjour tout le monde. Ok, président Luis Abinader pose ses conditions et pour lui capable de gagner, pour ce domaine capable de gagner une meilleure relation et avec Haïti. Et ça, il te dit dans la conférence. Bon, récemment, dans la conférence là, et après que Antoine Blinken était finalé, et puis Ligier Bon. Parce que il y a pile critique qui rejoint la Binader par rapport à la façon immigration a traité haïtien yo. Et puis, c'était un après foré news à tout. Antoine Blinken dit président, bon, et ils font aller les oreilles par rapport à la conduite et à l'immigration à haïtien yo. Mais tout, il était parlé de consulat qui fermé et c'est ça qui cause tout. Il y a plusieurs haïtiens
et qui a obligé passer en bas fil pour aller Santo Domingo, et bien à sens ça et il d'accord et que pour ouvrir consulat yo et y compris cap haïtien belader et tout consulat n'est pas ouvert mais il mandé yon main dure à travers de l'autorisation par la police pour contrôler les frontières yo. Mais nous croyons que dans le prochain jour cabinet là que l'Ibral relâche ça et puis ouvrir le consulat parce que c'est lui-même qui est fermé, c'est pas Haïti. Et puis c'est ça que nous avons en réunion. Mais réunion est basée surtout sur l'affaire de traitement que l'agent migration a fait ici au passé et un agent policier dominicain qui a pris un cob de 5 000, 6 000, 7 000 pesos pour quitter mon aller. Et tout grand pile femme tout qui a violé plein ça arrivé jeune président Abinader là tout et gagné des ONG internationales qui étaient déjà communiqué avec Anthony Blinken toute notre arrivé jeune président et ça que président les pratiquement et il veut dégager ça le gain sous Kelly par rapport à traitement haïtien jeune en Dominicaine. Alors allez-y. Oui, alors Galvez, est-ce que Abinader t'a tout paré pour capable relouvrir ambassade li à consulat yo gagnen en Haïti? Premièrement, ambassade là pas déjà fermé. Ambassade est toujours là pour délivrer service tant que ambassade dans pays, mais c'est consulat qui est fermé là et y compris consulat Pétionville, Belader et en Sapit et La Trier, tout yo pas l'ouvri. Mais li mandé pour gagner un effort qui fait côté la police yo et puis pour que yo capable répondre yo mais moi dit ou tout ça on te prend non seulement alors c'est pas pour Haïti c'est pas Haïti qui prend décision fermé en consulat yo c'est lui même qui prend donc et li a bon atout que peut que bon selon ça nous suspecte alors c'est bon nouvelle non et peut-être dans fin septembre là ou octobre là tout quand sont capable ouvrir. Et parce qu'on demande de visa surtout pour étudiants. Et on parle de 72 000 étudiants haïtiens qui sont censés perdre année académique 2024-2025. Et bien, pour Timoun Zaro, souvent plus encore, est obligé d'ouvrir le consulat parce que Timoun n'est pas capable d'être en académique là, dans l'université Santo Domingo. Très bien. Merci Bill Galvez. Merci Bill. Merci beaucoup. Esaïe César, information. Appel payé pour Madame Dominique Dupuis. Oui, la ministre des Affaires étrangères, d'une source diplomatique et proche de la diplomatie dominicaine, mon secteur là, même Jean-Boy, ça a été fait avec Claude Joseph, vous songez bien matin, pour te mettre une pression que tu as faite sur Ariel Henry pour te révoquer Claude Joseph comme ministre des Affaires étrangères. Eh bien, mon secteur là, Dominicani, qui a mis tes pressions là, ok? Pour même ça que tu arrives Claude Joseph pour arriver Madame Dominique Dupuis. Il n'y a pas un canza dans la bourrette. Pourquoi ça d'abord même? Parce que le dépôt de décision et que Haïti va pas participer dans la cérémonie d'investiture président Luis Abinader. Monsieur vexé, yo fâché, yo sauté au pompé. Tout ça qui est en tête au moment là, c'est faire pression. Et pour le moment, président Luis Abinader, selon ce là, pour qu'on marche dans le résultat, ou du moins pour là pour arriver vraiment sous lit. Ok, mais n'est-ce faire l'objet puis ouais, qui sont capables de faire arriver sous le président Luis Abinader pour la faire pression sous Gary Conille avec CPTA pour demander révocation Madame Dominique Dupuis. Et ça, et bah je dis les durs en République Dominicaine, comment ils sont encore les extrémistes en République Dominicaine. Et on va en pilon, on va tenir toute sorte de là, il y a sorte de pompe, on va en pilon. Il y a pas, et puis ça nous a dit là, il y a pas qu'à fonctionner, il y a pas qu'à vivre sans Haïtiens. Il n'est pas capable. Regardez, si vous voyez qu'il a prié mon Dieu là pour relouvrir frontières, faire tout bagaille. Parce que vous vivez de Haïti, comme si vous avez sous dos Haïti le chita. Donc ça veut dire que, et Madame Dominique Dupuis a fait travail. Et il y a toute confiance gouvernement. Ok? Il y a toute confiance gouvernement. Et pays avec Madame Dupuis. Madame Dupuis! Haïti d'ailleurs, ok? Regardez qui gentiment de ma belle problème. Désolé. Fomo Gabri. Oh ben, Fomo Gabri. Fomo Gabri. En tout cas, son dossier d'un suivi. Lugo, il y a bon en pile. Yes. Il a dit mieux bon en pile, Fomo Gabri. Dans tout niveau. Oh, Mary. Il a dit Fomo Gabri bon en pile, Lugo. Dans tout niveau. En tout cas, on allait. Bonsoir, Zanim. Donc, on est là, minuit 33, c'est bonjour. Mon cher, je ne sais pas si je connais qui l'est lié. Je ne sais pas si je connais, mais ce n'est pas un temps qui te fait ordre. Il t'abandonne dans mon là, garçon.
Mon chèm te gen pile problème avec yon femme la garçon. Femme nan pigeon basse longtemps, femme nan tabaman pile problème. Garçon mwen la li minuit 33. M pa kè ki lè lye pou m rele pou m pou voye message ba ou attendre le DMSDV. Mon chèm merci en pile. Voice ça te voye bon mwen te pense c'est fake yoté. Mon chèm m fèk sou toi là. M pral voye pou descend la frère. M pral mete dans tout coin ka la net. Mon chèm merci en pile garçon. Mon chèm li bon. De pou m pa jambe mêlé dans bagage moun. De pou m texte sou là ou m dou li bon li bon. C'est mon nom sur déposer la caille là mon chef fait utiliser le jeune ni jodi à devant porte moi me dit m'gal ouais si ça monsieur dit est-ce que c'est vrai mon cher garçon moi fini moi traité diam encore mandé est-ce que la porte bar encore me dit non mon cher merci en vie pour sauver la vie là ou dans mes jeunes bon résultat avec problème érectile pour venir témoigner même j'ai examen ça solution en pas l'autre que ultra bonne contactez nous sous numéro ça 954 945-0835 ou bien tapez ultraban.com. Mettez béton.